Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff, et on se retrouve pour notre 36e épisode du Let's Play de Phoenix Wright. Hey, c'est Tony, mais qui est équivalent à les derniers ou dernier épisode de la Hey, c'est Tony Week qui se termine ce soir avec le top 25, la dernière partie du top 25 de la 5e à la première place. Vraiment heureux d'avoir proposé cette semaine qui permet de découvrir l'univers de Phoenix Wright ainsi que tout ce qui est en rapport avec ce jeu et ces jeux qui méritent beaucoup plus d'attrait de la part des fans français de jeux vidéo. Voilà. Donc, nous allons commencer la deuxième affaire. Enfin, nous sommes à la dernière affaire, excusez-moi. Donc, adieu et volte-face. Et nous allons commencer la deuxième journée avec le procès. Un personnage que j'adore personnellement, mais qui mérite quand même beaucoup plus d'attrait. Vous allez voir, je vais essayer de faire la voix la plus compréhensible possible. Donc, on commence tout de suite ce procès. 26 décembre 9h44, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Karma? C'est exact, Manfred von Karma, le meilleur avocat de l'accusation qui soit. En 40 ans de carrière, il n'a pas perdu un seul procès. C'est un dieu de l'accusation, Wright. Un dieu! Pas un seul procès? Il fera tout ce qu'il peut pour que je sois reconnu coupable, tout. Ça fait penser à quelqu'un d'autre, Hunter. Vous ne comprenez pas. Je veux dire, il fera vraiment tout. Manfred von Karma est un homme redoutable. Tu parles d'une déclaration pour quelqu'un qui fabrique des pièces à conviction. Il m'a appris le sens de l'expression « poursuivre en justice ». Quoi ? Imaginez juste un avocat aussi vicieux que moi, démultiplié par 10. Alors, c'était votre professeur, monsieur Hunter? On peut dire ça comme ça. Et maintenant, il cherche à vous faire condamner? Mais quel sale type! Mais en fait, il envisage peut-être de pouvoir vous monter à main pour vous aider? Aucune chance. Je l'ai jamais perdu en 40 ans. 40 ans! Il est aussi impitoyable que moi, multiplié par 20! Il m'a dit que c'était 10, maintenant c'est 20. Peut-être bientôt over 9000? Maybe. On sait pas. Donc très impitoyable, en effet. Je vous l'ai dit, c'est un dieu de l'accusation. Un peu ce que Mia représentait pour moi. En parlant de Mia. Maya? Hein? On aurait bien besoin de l'aide de Mia, là maintenant, tu ne crois pas? Oh, je ne peux pas. Désolé, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais impossible d'entrer en contact. Impossible d'entrer en contact? Je crois que c'est parce que je ne me suis pas assez entraîné. Mes pouvoirs ont diminué. Abonne-moi alors, c'est pas le moment. Je suis vraiment désolé. Je ferai de mon mieux. J'espère bien. Qu'est-ce que vous manigancez? Oh, rien. Bon, c'est l'heure, allons-y. Youhou! Allez! 26 décembre 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Schmeck! Je déclare la séance ouverte pour le procès de monsieur Benjamin Hunter. La défense est prête, votre honneur. Et voici ce personnage, Manfred von Karma! Monsieur von Karma, l'accusation est-elle prête? Imbécile! Vous pensez sérieusement que je ne me serais pas présenté ici sans être parfaitement préparé, hein? En effet, je m'en excuse. Il fait même peur au juge. Très bien, votre déclaration préliminaire, je vous prie. Des preuves décisives? Un témoin décisif? De quoi d'autre pourrait-on avoir besoin? Rien, bien sûr. Ça devrait suffire. L'accusation peut appeler son premier témoin. Qu'est-ce qu'il a ce type? Du sang royal? Comment suis-je censé affronter un truc pareil? J'appelle l'officier chargé de l'affaire, l'inspecteur détective. Bon, détective témoigne en premier.
voyons comment ça se passe. Et voilà. Monsieur Tecti, à nouveau, pour la dernière fois. Décrivez l'incident, maintenant! Oui, oui, monsieur! L'inspecteur Tecti a l'air nerveux. Examinons ensemble la carte, voulez-vous? Le meurtre a eu lieu le soir du réveillon de Noël, aux alentours de minuit. Il y avait une barque en plein milieu du lac. Sur cette barque se trouvaient deux hommes. Or, il se trouve qu'une femme se trouvait là, sur les berges du lac. À minuit 10, elle a entendu deux coups de feu. Mais la barque a commencé à partir. Elle s'est dirigée vers la boutique de location. Et c'est tout. Ok. Décrivez l'arrestation de la date de cour, hein, maintenant. Attendez, monsieur Van Karma. Oui. En fait, c'est moi qui suis en charge de diriger la séance. Vous croyez que c'est moi? Mais faux! Vous n'avez qu'une chose à faire ici! Vous donnez un coup de marteau et prononcerez le mot coupable, voilà votre rôle! Oui, oui, bien entendu! Vous avez tout à fait raison! Non, il a tort! Déposition du témoin, arrestation d'Hunter. Un homme a appelé au. Un homme a appelé au poste! Vers minuit et demi. Nous nous sommes rendus sur le lieu du crime aussi vite que possible. C'est là que nous avons trouvé Monsieur Hunter. Attention, je n'avais aucun soupçon sur lui. Mais le matin suivant, on a découvert le corps dans le lac. Nous avons donc dû arrêter Monsieur Hunter. Ok. Je vois. Très bien. Avocat, commencez votre contrat à intro. Avocat, commencez votre contrat interrogatoire, maintenant! Le juge! Voilà, là, ça commence déjà, tu vois. Franchement, j'adore Van Karma. C'est une bitch, mais on l'adore. Arrestation d'Hunter. L'homme m'a appelé au poste vers minuit et demi. On va commencer à attaquer. Vous avez reçu un appel d'un homme? Ouais! Mais vous avez dit que c'était une femme qui campait là-bas? C'était bien elle qui a entendu les coups de feu, non? Objection! Cette femme et l'homme en question sont deux personnes différentes, bien entendu! Deux personnes différentes? Il y avait deux témoins! Toutefois, le témoignage concorde! Aujourd'hui, j'ai appelé là-bas à comparaître la femme qui était campée près du lac. La femme qui campait près du lac. Eva cause des soucis. Que s'est-il passé ensuite, inspecteur? Bon, désolé si j'ai un peu de mal à le faire, mais c'est vrai que la voix elle est encore plus grave que celle de Bogunshu, déjà comme Shu qui est très difficile à faire. On va essayer de faire ce qu'on peut. Nous nous sommes rendus sur les lieux du crime aussi vite que possible. Ok, on va commencer à attaquer. Combien de temps s'est-il écoulé entre la réception du rapport et votre arrivée au lac? Eh bien, je dirais environ 3 minutes. C'est très rapide. Devis, dis-moi, c'est arrivé sur les lieux rapidement. Objection! Inspecteur, épargnez-nous des secrets ni intéressants de la police. Oui, oui, monsieur. Pardon, monsieur. En tempéré, vous pourrez peut-être espérer un geste lors de votre révision de votre salaire. Il y a tant de choses que j'espère en ces temps-ci. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Poursuivez. Oui, oui, monsieur. C'est là que nous avons trouvé Monsieur Hunter. On va quand même attaquer encore une fois. Dans quel état était Monsieur Hunter quand vous l'avez vu? Eh bien, quand je l'ai vu, il a l'air assez calme. Pas du tout l'air d'un meurtrier. Objection! Inspecteur, la cour demande les faits, pas votre opinion. Depuis combien de temps faites-vous partie de la police? Des faits uniquement, inspecteur, des faits sûrs, concrets et objectifs. Oui, oui, monsieur. Eh bien, il a eu sa part de l'objection. Attention, n'avez aucun soupçon sur lui.
Pourquoi ne l'aviez-vous pas soupçonné? Vous devriez le savoir. Nos relations avec les avocats sont ancrées dans le temps et la confiance. Objection! Inspecteur! La cour n'est pas intéressée par votre divagation. Ancêtres dans le temps, confiance baliverne. C'est la première fois que j'entends un inspecteur de police dire autant d'âneries. Oh putain. Un karma. Tu rocks. L'inspecteur détective n'a pas l'air dans son assiette. Poursuivez maintenant. Mais le matin suivant, on a découvert un corps dans le lac. Ok. Avez-vous trouvé des indices sur le corps? Une seule balle a été extraite du corps. Elle a transpercé le cœur qui a été fatal. Juge, voici la balle. Elle n'a touché aucun os, donc sa forme initiale est bien conservée. Très bien. Très bien, la tribunal accepte que cette balle soit en pièce de conviction. Balle de revolver ajoutée au dossier d'affaires. Nous avons donc dû arrêter Monsieur Hunter. Ok. Pourquoi ça? Eh bien, nous avons trouvé l'arme du crime dans la barque. L'arme du crime? Un revolver. Inspecteur détective, cette information est essentielle. Veuillez modifier votre témoignage. Bien, excusez-moi votre honneur. Excusez-moi votre honneur. L'arme du crime que nous avons trouvée dans la barque est une preuve décisive. On va continuer à attaquer. Qu'est-ce qui fait de ce revolver une preuve décisive? Ah, il a le même rire magnifique que Hunter. Plutôt, il a le même que Hunter. Le revolver trouvé dans le parc portait des empreintes digitales. Des empreintes de la main droite de Monsieur Hunter. Quoi? Silence, silence! Donc les empreintes de Hunter ont été trouvées sur l'arme du crime? Oui, oui, votre honneur. Juge, voici l'arme en question. Acceptez en tant que pièce à conviction. D'accord. Donc le revolver est arrivé. Ok. Membre de la cour, nous disposons maintenant du revolver de crime et de la balle trouvée dans le corps. Inspecteur. Oui, oui, monsieur. La balle qui a été trouvée dans le corps provient-elle de ce revolver? Oui. Les empreintes balistiques sur la balle correspondent à celles du revolver. Hey, Nick. Qu'est-ce que ça veut dire, des empreintes balistiques? Incroyable! Pensez que quelqu'un ici ne connaît même pas le concept de base. Nick, il me fusille du regard. Très bien. Je vous explique. En fait, juge, c'est à vous d'expliquer. Un mois. Enfin. Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu. Le canon laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. L'examen balistique permet de savoir de quelle arme provient une balle. C'est une technique très précise. En effet. Ceci m'amène à une conclusion inévitable. La balle trouvée dans le corps de la victime a été sans aucun doute tirée par ce revolver. Ce revolver qui, je vous le rappelle, portait les empreintes de l'accusé. Flac. Silence, silence. Ça s'annonce mal. Tout ça laisse vraiment à penser que Hunter est coupable. Eh bien, juge. Je dirais que c'est presque décisif, en effet. Honnêtement, je pourrais même prononcer un verdict dès maintenant. Toutefois... On souhaitait sans aucun doute entendre le témoin. Très bien. Je suis quelque peu là, donc je vais faire une petite pause. J'appellerai mon témoin après la suspension de séance. Qui durera 10 minutes. Juge ? Oui, oui. Qu'attendez-vous ? Une suspension de 10 minutes, maintenant ! Mais attendez, je... Allez, tapez un coup avec toi, votre marteau ridicule, j'attends, hein. Oui, oui. L'ambiance est suspendue pendant 10 minutes. Je me demande qui commande ici.
on va s'arrêter là. À ce 26 décembre 11h09, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Et on s'arrête là pour cet épisode 36. On se retrouve bientôt pour l'épisode 37. Ou plutôt la semaine prochaine. Puisque ce sera normalement le 9 décembre que je reprendrai les épisodes. Voilà. J'espère que cette Ace Attorney Week vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était TGF. Stay tuned!